Salut les bros, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pack opening, on va s'ouvrir des packs les frérots. Aujourd'hui on va s'ouvrir du lourd parce que on a dans les packs actuellement les jours joueurs fut. Donc en tout cas en gros on a une équipe spéciale actuellement dans les packs pour pouvoir voilà, nous donner envie de packer hein, tout simplement. Une équipe avec 11 cartes spéciales avec notamment Messi, Sancho, Hazard, Van Dijk, Kamavinga, voilà. Vous voyez l'équipe à l'écran, pas besoin d'en rajouter. Sinon, qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui? On va ouvrir des packs, on va ouvrir le pack 5x85+, et le pack anniversaire fut. Entre-temps, on a aussi 10 petits choix joueurs 81+. Et juste avant de commencer, je tiens à vous dire, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai ouvert un choix joueur sans faire exprès, et j'ai du lourd. Vous verrez ça à la fin, en bonus. Allez, bref, on est parti, on a 10 choix joueurs, on va s'ouvrir ça. On commence tranquillement avec le premier, c'est 10 choix joueurs pour s'échauffer et pourquoi pas avoir du lourd. Et on commence avec un petit boost avec Casper Dolper 82 de général, c'est déjà pas mal, on va le prendre de suite. Bon, évidemment que en termes de statistiques c'est pas intéressant, ça peut servir surtout pour les SBC. 18 000 crédits, allez on prend le premier choix joueur. Le deuxième, qu'est-ce que ça va tomber? Bon, rien d'intéressant, on va prendre qui? Tiens, Rakitic parce qu'il est en carte UCL, je sais pas, ça me donne plus envie de le prendre que Emre Can. Allez, on enchaîne. Le troisième, petit tour de chaise. On va tenter la spéciale Yaya pour le troisième choix joueur. Est-ce que ça va nous porter chance? Ça va nous donner quand même un petit 84 et on va prendre Douglas Costa parce qu'il est plus intéressant et plus simple à caler dans les SBC qu'un petit Pizzi. Allez, le quatrième, on tente cette fois-ci le petit Nose Pack. Allez, c'est parti, donnez-moi du lourd! Voilà la première animation de ces choix joueurs-là. Hugo Lloris, 87 de général. C'est très cool pour les SBC. Surtout qu'il y en a pas mal d'intéressants en ce moment. J'aimerais bien faire le petit SBC de Renato Sanchez. Donc un petit 87, c'est toujours utile. Allez, on enchaîne. C'est le cinquième, la moitié. On arrive à la moitié de ces choix joueurs. Et cette fois-ci, on va avoir un petit Ousmane Dembélé, 83 de général. Bon, pareil, à ce stade du jeu, ça ne sert pas à grand-chose maintenant. Ça va surtout être utile dans un SBC parce que français, âgé, du Barça, c'est très simple à caler et ça permettrait d'avoir du collectif. Allez, le sixième, on va tenter l'autre spécial Yaya, le menton pack. Ce menton, ce fameux menton qui m'a donné le nom de Schettotti. Cette fois-ci, c'est moins cool, ça va nous être Renato Augusto. Allez, on enchaîne le septième choix joueur et ça sera un petit 85 avec Gnabry. C'est très rare que je le pack le Gnabry, c'est vrai que c'est assez peu commun que je l'ai. Bah, je vais le prendre, je sais pas combien ça vaut les 85 hein, sur le marché de transfert, ça vaut quand même 17 000 crédits. J'ai pas regardé Lloris. On va regarder quand même Lloris, c'est dans le 35. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, le 8e, l'antépénultième, comme vous le souhaitez. Et ça sera devant De Vrij que je viens de balancer dans un SBC. Donc, heureusement, dans un sens, parce qu'au moins, ça me permet de pas l'avoir en doublement. Allez, l'avant-dernier, les frérots, choix joueur avant de passer au pack. Ça va être Romagnoli 83. Ok, bon, c'est toujours sa prise, toujours mieux qu'un 80 ou qu'un 82. Et pour terminer, le dernier choix joueur, pourquoi pas terminer en beauté avec une deuxième animation après Hugo Lloris. C'est parti, on retente le nose pack, on pose la manette. Y est, pourquoi pas nous faire vibrer? Non, pour terminer, ça sera clairement le pire. Allez, on va prendre, je sais pas, Shaqiri, juste parce que je ne l'aime bien. Et bah, c'est fini pour ces 10 choix joueurs. Bon, rien d'incroyable, quand même une petite animation et un petit boost. Voilà, maintenant on passe au pack. Pour ce qui est des packs, on a 3 petits packs à ouvrir, des petits packs de SBC ou d'objectifs. Et puis ensuite, on s'ouvrira le pack anniversaire fit. On terminera avec évidemment le pack 5 joueurs 85+. Ce pack-là, qui vous avait donné envie de cliquer sur la vidéo, je suppose. En tout cas, c'est parti. On commence avec le petit pack Prime joueur or. On a 3 joueurs or rares de garantie dans ce pack. Et pourquoi pas avoir des animations d'ailleurs. Ça prend du temps d'ailleurs. Il a pris du temps à s'afficher ce pack. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas d'anime. Par contre, normalement, on aura des panneaux. C'est bien ça. Et ça va être enfin, c'est une blague. Non, mais c'est une blague, les mecs. Je viens tout juste de l'avoir dans le choix joueur. Je viens tout juste de l'avoir. Oh là 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 là, yeah, vous êtes sérieux? J'espère qu'il est vendable. Mais j'y crois moyen. Moi, ouais, il est invendable en plus. Ah, ça fait chier. Bon, bah, on n'a pas eu 10 000 boosts dans la team Ozoic. Pour l'instant, on en a eu 2. Et il est 2 fois le même. C'est génial. Bon, on passe cette fois-ci au pack à 25 000 crédits. Pack en rare. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Et avoir autre chose que Dolper Boost, ça serait bien également. Ouais, on aura autre chose parce qu'il n'y a même pas les panneaux. Ça va être... ouais, Pellegrini. Aïe. Allez, c'est le dernier petit pack que l'on ouvre, un pack joueur rare mélangé. Et après, on s'ouvrira les deux gros. Allez, pourquoi pas, en finale, avoir un petit truc avant de s'ouvrir les autres?
Non, pas d'animation. Par contre, on aura quand même les petits panneaux. C'est vrai que les panneaux tombent de plus en plus ces derniers temps de mon côté. Après, je sais pas vous si ça change grand chose. En tout cas, moi, ça tombe un peu plus. Par contre, Hector, ça me fait un peu chier parce que si je me trompe pas, je l'ai déjà dans mon club. Et si je l'ai en doublon invendable, ça me ferait chier. Non, ce pack-là est vendable, ça va. Et en plus, on a un autre 83 avec Tradeki. Ça aurait pu être largement pire, ce genre de pack. Bon, allez, on va passer aux deux packs qui vous ont donné envie de cliquer sur la vidéo. Les deux plus gros packs. Et moi, ce qui m'a donné envie de la tourner, cette vidéo pack opening. Allez, on va commencer par le pack anniversaire FUT. J'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'il y a de disponible. C'est toutes les cartes spéciales événements IE. Donc, c'est parti. Espérons avoir du lourd. La dernière fois qu'on en a ouvert, on a eu de la merde. Un doublon en plus de ça. Donc, si on peut éviter ça, ça serait cool. Allez, c'est parti pour le pack anniversaire FUT. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu juste avant que le pack s'ouvre. Et maintenant, c'est parti. D'accord. Mais c'est quoi ce bug? Mais c'est quoi ce bug? Bon, en vrai, avec Stexera, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas ouf. Parce que, bon, je risque de pas jouer avec. Surtout qu'il a que 83 de général. Mais c'est que. Y a que moi que ça arrive ce genre de choses. Franchement, y a que à moi. J'ai même pas eu de suspense, rien. Genre Brésil, j'aurais pu vibrer, mais non. Non, non, on n'a pas le droit de vibrer. Le joueur il se balance comme ça, il s'est dit allez, donne-lui de la merde, boum, on l'affiche direct. Bon, bah Alex Texera, ouais, c'est nul, hein. Ouais, c'est non, en fait, c'est nul. 30 000 crédits, c'est vraiment éclaté. Bon, bah encore un deuxième pack anniversaire FUT de suite d'affilée. On a de la merde. Mais bon, il nous reste encore un pack pour espérer avoir du lourd dans cette vidéo, ça serait cool. Un pack 5 joueurs rares noté 85+, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on en a cette année. Ça m'a pas marqué, donc c'est-à-dire que j'ai pas eu grand-chose, mais pourquoi pas, aujourd'hui, avoir du lourd dedans. Allez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et puis de vous abonner si c'est pas encore fait. S'il vous plaît les amis, on est bientôt aux 16 000, ça se trouve au moment où la vidéo sort, on sera aux 16 000 abonnés, donc pour, si c'est pas encore le cas, abonnez-vous encore plus pour atteindre ce chiffre le plus rapidement possible. Et c'est parti. Pack 5 joueurs rares, noté 85+, je ne pouvais pas vous faire attendre plus longtemps. On ouvre, on pose la manette, et on va faire tout de suite le tour de chaise, je veux de la couleur. Oh non, pas de couleur. Brésil. Casemiro. 89 encore, ouais, tu vas me dire 89, ouais, mais bon. Moi, ce que je voulais, c'était... C'était soit un énorme régular, soit un énorme boost, soit une des cartes spéciales événements disponibles dans les packs. Et pas forcément Casemiro 89, si tu vois ce que je veux dire. Bref, regardons derrière quand même, ça se trouve ça cache un petit joueur sympa. Ça cache un Benzema 89 en doublon. Bon, c'est ce qu'il faut se dire. Au moins on a deux grosses notes, ça va être utile pour les SBC. Mais ça me fait quand même un peu vieille parce que bah, le SBCL il m'a pas coûté cher, mais il m'a fait balancer des grosses notes. Donc du coup, au final, c'est du recyclage et ça pue la merde. Voilà, on va pas se mentir, j'ai pas eu de chance encore une fois dans cette vidéo pack opening, mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse avec le petit bonus et je vous invite à lâcher le petit pouce bleu si c'est pas encore fait et de vous abonner. Au soin de vous, la bise les frérots, et dites-moi vous d'ailleurs ce que vous avez eu dans ce pack 5x85+. Alors que j'étais en train de préparer les choix joueurs pour la vidéo et j'ai appuyé sur un choix par hasard, je tombe sur Insigne 89 boost, un des meilleurs joueurs de la team of the week disponible. C'est n'importe quoi, je crois que c'est même le meilleur joueur de la team of the week disponible, en tout cas en termes de niveau sur le jeu. C'est n'importe quoi les mecs, c'est clairement n'importe quoi. En plus je l'ai déjà eu en rouge le 88. C'est quand je fais pas exprès que j'ai du lourd, quoi. Bon, bref, Insigne, on va aller voir vite fait son prix, quand même, avant de se quitter. Ça vaut quand même 100 000. Bah voilà, en bonus, un petit joueur à 100 000 crédits, ça coûte rien.